Bonsoir à tous. Bonsoir. Et bienvenue pour ce grand rosaire du mois d'avril, particulièrement pour demander au Seigneur la conversion de nos proches, de nos enfants, petits-enfants, peut-être notre époux, notre épouse. Voilà, on aimerait tous que ceux que nous aimons puissent connaître Jésus. Eh bien, ce rosaire, ces quatre chapelets, vont être à vos intentions pour vos proches. Donc, bienvenue à vous qui venez pour la première fois sur cette chaîne YouTube qui est dédiée vraiment à la prière particulièrement. On se retrouve chaque soir, 19h30, pour un chapelet et chaque premier mardi du mois pour un rosaire. Donc, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Ça vous permet d'avoir les notifications avec la petite cloche et surtout de liker la vidéo pour qu'elle soit diffusée largement sur YouTube et que d'autres puissent prier le rosaire. Alors, nous allons entrer donc dans les mystères joyeux tous ensemble. Ça va être Bénédicte qui va nous entraîner dans ce chapelet. N'hésitez pas, vous avez un petit chat également pour ceux qui le désirent. Là, vous pouvez écrire le nom, les prénoms, eh bien, des personnes pour qui vous voulez prier, les personnes pour qui vous voulez demander la conversion de leur cœur. Donc, n'hésitez pas dans le chat. Et si vous n'avez pas envie de voir le chat, vous avez un petit X, vous pouvez cliquer, le chat disparaît. Vous pouvez ainsi vous concentrer dans la prière. Eh bien, je crois que c'est bon, on est parti. Nous entrons dans la prière de ce rosaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, a été enseveli et est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Bienvenue à vous qui nous rejoignez en direct ce soir ou qui le regardez en replay avant d'entrer dans les mystères joyeux pour ce rosaire pour la conversion de nos proches. Eh bien, je vais vous lire un petit témoignage pour que notre foi soit grande en Dieu parce qu'il entend les prières de son peuple. Eh bien, c'est les fruits d'une personne qui a suivi le chapelet parce qu'on le dit chaque soir à 19h30, heure française. Un témoignage, le témoignage de Georges Marie de La Réunion. Bonjour, je vous ai découvert par hasard sur YouTube. J'ai tellement aimé que je croyais faire partie de votre groupe. J'ai mis le grand écran sur mon petit ordinateur. Vous êtes devenue une famille pour moi, alors je fais ce témoignage. Depuis plusieurs années, ma fille, qui a aujourd'hui presque 40 ans, est née en 82 avec une maladie des femmes qui n'était pas connue avant. Depuis 4 ou 5 ans, elle essaye d'avoir un bébé. Mais avec sa maladie, il est impossible d'après les médecins.
Alors je ne sais plus quand, mais un soir, durant le chapelet, vous avez intercédé avec moi pour cette demande, pour qu'un miracle se fasse pour les personnes qui ne peuvent pas avoir de bébé. J'ai aussitôt pris cette demande pour moi. La semaine dernière, ma fille était chez nous et elle a reçu un message du laboratoire sur son portable pour le test de grossesse et nous avons appris en premier, avec sa maman, ce miracle. Elle est enceinte. J'ai tout de suite pensé à vous, à Saint-Joseph. En fait, j'ai eu deux miracles. Le premier, c'est la bonne nouvelle de sa grossesse. Et le deuxième, c'est d'avoir appris avec sa maman en premier. Voilà, il était là pour entendre la bonne nouvelle. On a pleuré, mais de joie. J'ai compris que le Seigneur peut rendre les choses impossibles possibles. Merci Seigneur, et je continue à prier, moi qui ne trouvais pas vraiment l'utilité du chapelet. Mais avec vous, je ne suis pas tout seul. Seigneur Dieu Tout-Puissant, continue à protéger toutes les futures mamans et les bébés à naître. Merci à Notre-Dame, Mère de la Lumière, Georges-Marie de la Réunion. Nous voyons que tout est possible à Dieu, donc nous allons demander la conversion de nos proches et que comme Saint Paul, qui a été retourné comme une crêpe par l'amour de Dieu, eh bien que eux aussi puissent être retournés par l'amour du Seigneur. Premier mystère joyeux, l'Annonciation. Alors voilà que l'ange Gabriel apparaît à la Vierge Marie pour lui annoncer une bonne nouvelle. La plus bonne nouvelle que la terre puisse entendre, eh bien c'est la venue du Seigneur Jésus, la venue du Seigneur sur la terre. Alors pour cette première dizaine, eh bien demandons au Seigneur eh bien la grâce de venir aussi bouleverser le quotidien de toutes les personnes qui ne connaissent pas son amour, qui ne connaissent pas encore cette bonne nouvelle de Jésus. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi.
Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, ô Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et à l'heure de la mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon et doux Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Deuxième mystère joyeux, la visitation. Voilà que la Vierge Marie, après avoir appris cette bonne nouvelle aussi pour sa cousine Élisabeth plus âgée, est partie à sa rencontre pour la visiter, pour justement célébrer ces bonnes nouvelles ensemble. Et pour cette dizaine, nous pouvons demander au Seigneur la grâce de la persévérance pour justement nos aînés, ceux qui sont déjà plus âgés, que le Seigneur leur donne la grâce de garder la foi ou bien même parfois de retrouver la foi, parce que c'est vrai que parfois les aléas font que la difficulté peut se présenter. Mais demandons au Seigneur la persévérance, la force, afin que justement nos aînés puissent rester dans la foi. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel les âmes, surtout celles qui ont plus besoin de votre sainte miséricorde. Troisième mystère, joyeux, la nativité. Oui, la nativité, quel mystère ! Voilà un Dieu grand, un Dieu si grand qui se fait petit enfant. Et pour cette dizaine, j'avais à cœur que nous puissions prier pour tous les enfants de nos familles qui ne sont pas baptisés ou qui ne croient pas. Amen. Amen. C'est un peu emmêlé. Voilà. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce.
Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous. Prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Quatrième mystère joyeux, la présentation de Jésus au Temple. À travers cette dizaine, eh bien, présentons, prions pour les âmes pour qui personne ne prie, et présentons-les au Père à travers les mains de la Vierge Marie. Amen. Seigneur, on te demande vraiment qu'aucune de ces âmes pour qui personne ne prie ne soit damnée, mais puisse être sauvée par notre humble prière, par l'intercession de Marie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, salut des pécheurs, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, refuge des pécheurs.
le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Cinquième et dernier mystère joyeux, le recouvrement au temple. Alors voilà que la Vierge Marie et Saint Joseph ont avancé dans le voyage et se rendent compte qu'ils ont laissé Jésus derrière eux. Donc ils refont plusieurs pas en arrière, ils rebroussent chemin pour retrouver Jésus dans le temple. Et bien de même, prions pour que nos proches qui se sont éloignés de Dieu puissent également rebrousser chemin et retrouver le Seigneur. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Amen. Amen. Nous entrons maintenant dans les mystères lumineux. Alors peut-être certains d'entre vous sont contraints de partir. Nous allons continuer, nous, le rosaire. Sachez que chaque soir à 19h30, heure de France, on se retrouve pour un chapelet sur cette chaîne. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. C'est vraiment le rendez-vous divin de prière tous ensemble. Alors nous entrons avec Catherine dans ces mystères lumineux. Bravo pour le temps que vous accordez ce soir à la prière. Je voulais vraiment vous le partager, ce n'est pas une perte de temps, non. Est-ce que vous avez déjà vu une assiette, quand on mange dedans, qu'on la laisse traîner un moment, eh bien les aliments qui restent collés, ça sèche, et après c'est un peu plus difficile à enlever, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut les laisser parfois un petit peu mijoter dans l'eau. Et après c'est beaucoup plus facile. Eh bien la prière c'est pareil. Voilà, on prend le temps pour que cette eau de la prière puisse couler, puisse vraiment attendrir les cœurs les plus endurcis. Et ensuite, le Seigneur enlève ce qui est dur et donne quelque chose de neuf, une belle assiette capable d'accueillir des bons aliments, l'amour de Dieu, la parole de Dieu, la bonne nourriture. Amen. Donc prions, prenons le temps. Amen. Et pour ça, donc, nous entrons dans les mystères lumineux. Et le premier mystère lumineux, c'est le baptême de Jésus au Jourdain. Et comment ne pas penser dans ce mystère à toutes les personnes de nos familles, de nos proches, ceux que nous aimons, qui ne sont pas baptisés, pas encore baptisés. Et parfois, je sais que ça peut être une grande souffrance parce que nous savons, nous connaissons l'importance, la nécessité même du baptême. Et de voir que nos proches ne sont pas baptisés, c'est dur. C'est vraiment une grande souffrance. Alors j'avais à cœur qu'on puisse, dans cette première dizaine, prier pour toutes ces personnes non baptisées, que le Seigneur puisse vraiment venir susciter dans leur cœur ce désir du baptême. Parce que vous le savez, au moment où nous sommes baptisés, comme Jésus au Jourdain, il y a cette voix de Dieu qui déclare sur notre vie « Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée en qui j'ai mis tout mon amour ». Nous devenons, autrement dit, les enfants de Dieu. C'est tellement important. Alors prions pour toutes ces personnes. Et vous qui priez pour ces personnes, gardez confiance, gardez courage. Le Seigneur entend nos prières. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, qui ne veut pas que nous nous découragions, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, à qui rien n'est impossible, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Alléluia. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours. Et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Deuxième mystère lumineux, les noces de Cana. Et à ce mystère, on a l'habitude de prier pour les familles ou pour les couples. Et donc j'avais à cœur dans cette dizaine pour qu'on puisse prier pour votre épouse ou votre époux peut-être qui n'est pas croyant, qui est loin de la foi. Et nous savons aussi combien c'est difficile parce que finalement Dieu vous a unis, vous faites plus qu'un devant le Seigneur et parfois l'autre personne ne partage pas pleinement vos valeurs, vos convictions. Et ça c'est vraiment difficile au quotidien et ça peut être source parfois aussi de conflits. Alors on va vraiment prier, voilà, pour votre conjoint, votre conjointe. Et n'oubliez jamais que si Jésus a pu transformer l'eau en vin, rien n'est impossible à Dieu. Alors il peut aussi transformer le cœur de votre épouse, le cœur de votre époux. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus. Le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Troisième mystère lumineux, l'annonce du royaume de Dieu. Eh bien, dans cette dizaine, prions, demandons la grâce au Seigneur eh bien, de devenir de véritables missionnaires dans nos familles, auprès de notre entourage et de nos proches. Parce que vous savez, c'est très important de témoigner de ce que le Seigneur a fait dans nos vies et notamment de le faire auprès eh bien, de ceux qui nous entourent, de ceux qui sont vivent auprès de nous. Jésus, dans un passage dans l'Évangile, dira à quelqu'un « Retourne chez les tiens et raconte-leur tout ce que Dieu a fait pour toi. » Alors c'est vrai que parfois c'est pas facile, on sait pas comment s'y prendre et puis on a vraiment besoin de la lumière de Dieu. Alors, eh bien, demandons dans cette dizaine que cette lumière descende sur nous et que la grâce du discernement nous soit donnée pour savoir quand est-ce qu'il faut ouvrir la bouche, quand est-ce qu'il faut plutôt garder le silence et tout simplement témoigner par notre amour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, qui nous donne la force d'être une lumière dans nos familles, le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez, priez pour nous. Ô pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Et peut-être certains nous ont rejoints en cours de ce chapelet. Eh bien, vous avez bien fait. Venez vous réfugier sous le manteau de Marie, manteau de paix. Marie qui est le refuge, notre refuge. Alors, vraiment, que la paix de Dieu soit dans votre cœur. Ne craignez rien. Cette paix, elle va nous la donner durant ce chapelet. Et même si, bien sûr, nous prions particulièrement, et c'est l'intention de ce rosaire, pour la conversion de nos proches, vous pouvez confier aussi toutes vos intentions personnelles qui vous tiennent à cœur. Le Seigneur ne compte pas tout ce qu'on lui remet, bien sûr, il l'accueille, il le reçoit. Donc toutes vos intentions personnelles, n'hésitez pas également à les confier.
Amen. Amen. Alors, quatrième mystère lumineux, la transfiguration de Jésus. Jésus apparaît à ses disciples, il est éclatant de beauté, éclatant de blancheur, une blancheur qu'on n'a même pas connue ici sur terre. Et comment ne pas se prosterner devant le Seigneur, comme l'ont fait les apôtres. Et pourtant, nous le savons, il y a des personnes qui s'obstinent dans leur péché, parfois. Et nous en connaissons tous, nous sommes nous d'abord pécheurs, mais voilà, il y a des pécheurs qui vraiment rejettent la miséricorde de l'amour de Dieu. Eh bien, j'avais à cœur dans cette dizaine qu'on puisse prier pour la conversion des grands pécheurs. Et vous savez, le Seigneur, dans sa parole, dans le livre d'Isaïe, déclare que si nos péchés sont comme l'écarlate, il peut les rendre plus blancs que neige. Alors voilà, restons toujours dans la confiance, aimons ces personnes, prions, continuons de prier pour elles, parce que le Seigneur peut faire de grandes choses et sa miséricorde est infinie. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. J'avais particulièrement à cœur, pendant ces dixièmes, je crois vraiment que le Seigneur touche peut-être un mari qui peut-être peut avoir des addictions à l'alcool ou peut-être violent. Voilà, je crois vraiment que le Seigneur a ce pouvoir d'attendrir les cœurs les plus endurcis. Donc ne vous découragez pas, intercédons, prions. Cinquième et dernier mystère lumineux, l'institution de l'Eucharistie. Et vous savez, frères et sœurs, dans le monde invisible, dans le monde rôde, et c'est une réalité, rôde des esprits mauvais qui cherchent à éloigner les âmes de Jésus. Et comment elles s'y prennent, notamment eh bien, en éloignant les âmes des sacrements de l'Église, parce que à travers les sacrements de l'Église, nous recevons Jésus lui-même. Et c'est le cas des petits, comme c'est le cas des grands, et c'est peut-être le cas, voilà, de vos proches. Alors j'avais à cœur dans cette dizaine qu'on puisse prier, eh bien, pour que le Seigneur donne la grâce aux personnes qui se sont peut-être éloignées des sacrements de l'Église, eh bien, d'y revenir de plus belle. Et je crois que Jésus peut accorder beaucoup, beaucoup de grâce, et j'ai à cœur de prier Marie, voilà, que Marie, cette bonne maman, eh bien, nous ramène à Jésus, son Fils. Amen. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Et vous savez, le Seigneur me montre dans mon cœur que pour contrer cette armée, eh bien, de l'ennemi, se lève une autre armée, une armée de priants. Et c'est nous, c'est vous. Et notre arme, eh bien, c'est le chapelet. Alors voilà, nous allons par ces prières contrer l'ennemi. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour que ceux que nous aimons reviennent à la messe. Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus qui se donne à nous, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Gloire soit rendue au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon et très doux Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Nous entrons maintenant, avec bruit et fracas, dans le troisième mystère douloureux, le troisième chapelet, les mystères douloureux. Alors, avant de entrer dans ces mystères douloureux, je voudrais vous partager une lumière. Écoutez bien, je crois vraiment que ça peut vraiment parler à notre cœur. Vous savez que Sainte Thérèse d'Avila disait « Le monde est en feu. Il n'est plus temps de discuter des choses de peu d'importance. » Frères et sœurs, lorsque une maison prend feu, quel est le plus important, n'est-ce pas, de prendre l'issue de secours et de sortir ? Ou est-ce que c'est de prendre la télévision sous le bras, de regarder si les fleurs ont été bien arrosées ? Non, bien sûr que non, c'est de prendre l'issue de secours. Et cette porte de secours, c'est Jésus-Christ. Mais parfois, les flammes sont tellement importantes. Et dans notre monde, nous voyons que le péché sévit. Vraiment, les courants mauvais sont tellement présents. Comment accéder ? On nous dit, dans le secourisme, que ce qui peut vraiment nous aider pour pas cuire trop vite quand il y a un incendie, eh bien, c'est de mettre une couverture humide trempée sur nous et ça nous permet de traverser les flammes. Eh bien, frères et sœurs, ce manteau humide, rempli du Saint-Esprit, c'est le manteau immaculé de Marie. Mettons ce manteau par le rosaire sur nous, sur nos familles, et courons vers le Christ. Et sortons par lui, comme il dit, car il a déclaré « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un passe par moi, il sera sauvé. » Alors voilà, frères et sœurs, Marie est nécessaire pour le temps que nous traversons. Elle est notre mère. Donc, continuons ce rosaire et traversons ces flammes et emmenons avec nous un maximum de personnes jusqu'au salut. Oui, parce que je voulais juste compléter, quand il y a l'incendie, effectivement, on va se dépêcher de sortir et on va surtout aussi aller chercher nos proches qui sont dans la maison pour qu'ils ne restent pas à l'intérieur. Et donc peut-être qu'au quotidien, on ne le ferait pas, mais quand il y a un incendie, on le fait. Eh bien, c'est le moment maintenant de chercher à sortir tous nos proches de la maison, qu'il n'en reste aucun enfermé, mais que tous prennent cette porte qu'est le Christ. Amen. Et le manteau de Marie est suffisamment grand pour prendre tous ses enfants en dessous. Amen. Premier mystère, donc nous continuons à prier évidemment pour tous nos proches. Amen. Premier mystère douloureux, l'agonie de Jésus. Jésus souffre dans sa chair et souffre dans son cœur. Prions pour tous nos proches malades, qu'ils puissent rencontrer et s'appuyer sur le Christ souffrant dans leurs épreuves. Amen.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, qui veut tous nous sauver, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, amen, alléluia. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Deuxième mystère douloureux, la flagellation. Fruit de ce mystère, la grâce de la pureté. Et je sais que lorsque nos paroles ne sont pas toujours empreinte d'amour, parfois nous pouvons dire des propos qui peuvent être très blessants, parfois même comme des coups de couteau.
Et voilà, ça peut blesser les personnes à qui l'on parle et ça peut aussi être une source de regret. Eh bien, prions pour chacun d'entre nous et pour nos proches aussi qui blasphèment et se moquent de Dieu, que l'amour puisse régner dans leur cœur. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria, Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Amen. Troisième mystère douloureux, le couronnement d'épines. Fruit de ce mystère, la grâce, j'ai envie de dire, du pardon. Jésus est couronné d'épines, il est vraiment maltraité et toujours il garde cet amour pour chacun de nous et nous pardonne pour toutes nos fautes. Prions déjà pour nos proches qui nous ont blessés par leurs propos ou leurs actes et également demandons cette grâce de toujours pouvoir pardonner et aimer comme Jésus. Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, couronné d'épines, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, qui nous donne le pouvoir de pardonner, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Quatrième mystère douloureux, le portement de la croix. Fruit du mystère, la grâce de la persévérance. Prions maintenant pour la conversion de nos collègues de travail et que l'unité et l'entraide règnent. Évidemment, je repense à Jésus qui porte sa croix et Simon de Cyrène vient l'aider. Et souvent, dans notre vie, on porte nos croix. Prions que Jésus puisse être une aide pour chacune de ces personnes que nous côtoyons. Amen.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, Père, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloria, Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Ô mon bon et doux Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Oui, je voulais juste confirmer ce que disait Marthe, de prier vraiment aussi pour tous ceux qui nous entourent, nos proches, c'est à la fois bien sûr les membres de nos familles, mais aussi tous ceux qui nous sont devenus proches parce qu'on les voit parfois plus encore que les membres de nos familles, ceux qui font notre quotidien, que ce soit nos collègues, mais également peut-être les commerçants que nous voyons souvent. Parce que eh bien, si chaque chrétien prie pour eh bien, toutes les personnes de son entre guillemets, périmètre, eh bien, je peux vous dire que la terre sera couverte de prières et alors chaque chrétien aura accompli véritablement sa mission d'être celle de la terre. Et alors tout le monde eh bien, aura cette grâce d'être sauvé par les prières. Amen.
Cinquième et dernier mystère douloureux, le crucifixion et la mort de Jésus sur la croix. Fruit de ce mystère, une sainte horreur du péché et l'amour de Jésus. Jésus, s'il est mort sur la croix, c'est pour nous transmettre la vie. Prions pour toutes les personnes qui désirent la mort, entre autres, prions pour les âmes des sataniques et de ceux qui luttent contre Dieu. Si Dieu est venu, ce n'est pas pour les bien portants, mais pour les malades. Alors, voilà, prions pour toutes ces âmes qui ne connaissent pas cette vie en abondance et cette paix, cette liberté. Amen. Pour ceux qui le peuvent, en cette cinquième dizaine pour les mystères douloureux, eh bien, n'hésitez pas à vous mettre à genoux, au pied de la croix, pour supplier la conversion de ces âmes qui sont peut-être contre Jésus, contre Dieu, qui se sont offertes aux démons. Demandons vraiment leur salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis,
et in ora mortis nostre. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Amen. Nous entrons maintenant dans le dernier mystère, les mystères glorieux. Oui, notre fin, c'est la gloire. Alors que vous êtes en ce moment plus de 4400 en connexion simultanée des 5 continents et que nous continuons à élever ces dizaines de milliers, centaines de milliers et avec le replay, millions de « Je vous salue Marie » vers le ciel, eh bien, je vais laisser le micro à Marthe qui va animer les mystères glorieux. Alors ne nous quittez pas, chers frères et sœurs, parce qu'en cette semaine pascale où nous fêtons la résurrection de Jésus, eh bien nous allons méditer maintenant les mystères glorieux et ça promet d'être riche en grâce. Alors le premier mystère glorieux, c'est la résurrection de Jésus. Chers frères et sœurs, la mort n'a pu contenir celui qui est cette lumière du monde. Il ne pouvait pas rester dans ce tombeau misérable et insalubre. Et la pierre a roulé et il est victorieux. Et j'avais à cœur qu'on puisse prier pour tous les proches de nos familles, nos voisins, nos collègues, tous ceux qui nous entourent, qui seraient en dépression, qui seraient dans un mal-être profond, qui seraient un peu quelque part comme dans ce tombeau où ils ne trouvent pas d'issue et ils broient du noir. Eh bien, prions qu'ils puissent vraiment faire cette rencontre avec Jésus ressuscité et que Jésus puisse rouler la pierre de leur tombeau. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, qui nous sort de nos tombeaux intérieurs, le fruit de tes entrailles est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon et doux Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Le deuxième mystère glorieux, c'est l'ascension de Jésus au ciel. Alors après la résurrection de Jésus, pendant une quarantaine de jours, eh bien Jésus va apparaître aux disciples, va parler avec eux, leur expliquer les Écritures, et puis il va monter au ciel. Alors il leur promet qu'il ne les laissera pas seuls, il va envoyer l'Esprit Saint une dizaine de jours après. Mais quand même, il y a cette séparation où Jésus monte à la gloire, à la droite du Père, dans la gloire de Dieu. Alors, on peut prier, peut-être pour toutes les personnes qui se sont éloignées de nous, qui ont parfois même coupé les ponts, parfois pour des raisons géographiques, on ne peut plus voir certaines personnes à cause du confinement aussi, et ces personnes nous manquent. Eh bien, nous allons prier pour ces proches parce que s'ils sont loin physiquement, nous pouvons les rejoindre par la prière et nous allons aussi demander des grâces miraculeuses de réconciliation avec des personnes qu'on n'a peut-être pas vues depuis longtemps. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Oui, frères et sœurs, Dieu n'est pas resté mort. Jésus est ressuscité. Et j'avais vraiment à cœur de vous dire, vraiment, si vous vous sentez morose, c'est un peu la déprime, eh bien, je demande vraiment au Seigneur de vous donner sa joie, la joie de la résurrection. L'espérance est là. Christ est ressuscité. Et moi, je voulais juste vous encourager, parce que peut-être certains se demandent pourquoi cette prière du chapelet, elle est tellement répétitive. Eh bien, vous savez, c'est un peu comme un baume, eh bien, il faut l'appliquer, il faut masser et encore masser pour que ça s'imprègne bien dans notre peau. C'est la même chose pour les grâces que nous recevons à travers ce chapelet. C'est important de répéter, voilà, tous ces « Je vous salue Marie », ça pénètre en notre cœur. Amen. Amen. Merci Catherine pour cette belle image. Eh bien, le troisième mystère glorieux, c'est la Pentecôte, voilà, que l'Esprit Saint va vraiment descendre sur les apôtres au plus profond d'eux-mêmes et va brûler leur cœur et les transformer à jamais. Alors je vous propose qu'on puisse prier pour vraiment tous nos proches, qu'ils puissent vivre cette effusion d'amour du Saint-Esprit, que vraiment le Saint-Esprit de Dieu les visite jusqu'au plus profond de leur cœur et qu'ils puissent comprendre par leur esprit mais aussi par le cœur qu'ils sont aimés de Dieu. Et tout particulièrement ceux qui ne le savent pas, tout particulièrement ceux qui sont peut-être les plus endurcis, parce que rien ne résiste à l'amour de Dieu, et les cœurs de pierre peuvent devenir du chewing-gum. C'est clair, frères et sœurs, nous allons confier ceux sur qui on n'aurait jamais misé. Voilà. Que l'effusion du Saint-Esprit, cette effusion d'amour descende maintenant sur tous nos proches. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonnez-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Voilà, nous arrivons bientôt à la fin de ce marathon de prière, marathon spirituel. C'est le sprint final, mais voilà que le Seigneur eh bien, continue de répandre ses grâces. Et peut-être certains qui nous rejoignent encore maintenant, eh bien, vous qui êtes les ouvriers de la dernière heure, le Seigneur a aussi pour vous sa part de grâce. Amen. Amen. Voilà, ne nous quittez pas parce que vous allez voir dans cette dizaine, nous allons prier pour des proches qui sont particuliers, pour lesquels on n'a pas encore prié, et qui ne sont pas des moindres et qui sont très importants, vous allez voir. Nous prions ce quatrième mystère glorieux, c'est l'Assomption de Marie. Marie monte vraiment tout droit au ciel en son âme et son corps. Alors selon la tradition orale, quand on visite en Terre Sainte, on visite le tombeau de Marie, on nous raconte que peut-être Marie serait morte... endormie dans la mort pendant 3 jours et que le 3e jour elle aurait vécu cette résurrection au ciel. Alors c'est beau aussi de se l'imaginer, même si c'est la tradition, voilà, ça reste une tradition, c'est pas biblique. Et ben c'est beau de se dire que Marie a vraiment imité Jésus toute sa vie, l'a suivi. Et j'avais vraiment à cœur qu'on puisse prier dans cette dizaine pour les âmes des défunts, des proches qui sont défunts. C'est très important, on prie aussi pour les proches sur terre, mais de ne pas oublier les âmes de nos défunts. Et peut-être même aussi les défunts qui ne sont pas proches, ceux pour qui on ne prie jamais. Parce que peut-être certains ne sont pas encore au ciel, sont au purgatoire et peut-être depuis longtemps. Et on va prier qu'en ce temps de grâce, eh bien, ils puissent aller tout droit au ciel. Qu'ils puissent quitter le purgatoire et aller au ciel maintenant. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Le cinquième et dernier mystère glorieux, c'est le couronnement de Marie au ciel. Et j'avais à cœur qu'on puisse prier pour des personnes qui sont proches et pour lesquelles on ne pense pas toujours à prier, ce sont les prêtres de nos paroisses, les religieux, des communautés que nous fréquentons, qu'on puisse prier tout particulièrement pour eux. Ce sont aussi des proches, et puis ce sont les pasteurs que le Seigneur nous donne, et nous avons vraiment ce rôle de prier, d'intercéder pour eux. Je pense que si toute la paroisse priait pour son prêtre, oui, eh bien, il n'y aurait pas d'occasion de médire, mais plutôt des occasions de bénir. Voilà, ils ont vraiment besoin de nos prières. Ils deviendraient saints. Ils deviendraient saints, voilà, complètement. Et puis, prions aussi en même temps pour tous les prêtres ou religieux qui se perdent et qui ont vraiment besoin de nos prières. Et on va prier par cette intercession de Marie couronnée, Marie glorieuse, toute puissante au ciel sur le cœur de Dieu. Et j'avais particulièrement à cœur de vous dire aussi qu'une messe a été célébrée, donc par un prêtre bien sûr, à vos intentions pour vous et aussi pour toutes les personnes pour qui vous priez en ce moment. Une Eucharistie a été célébrée à cette intention. Donc oui, prions bien pour nos prêtres, tous les consacrés, parce que vraiment, ils sont un canal, le canal de grâce. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort, ainsi soit-il. On peut finir avec ce « Je vous salue Marie » de Glorious. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie, Marie, entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, dès maintenant et jusqu'à l'heure de notre mort. Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon bon Jésus, pardonne-nous tous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. En cette année consacrée à Saint Joseph, nous ne pouvons pas finir ce rosaire sans se confier à sa puissante intercession. Saint Joseph,
En cette année qui t'est consacrée, nous nous confions à toi avec confiance. Prends soin de nos familles ainsi que de nos besoins matériels et spirituels. Nous savons que tu nous entends et nous te remercions d'avance. Amen. Amen. Prions également cette prière pour notamment la conversion des pécheurs donnée par la Vierge Marie à Fatima. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférences par lesquels il est lui-même offensé. Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Ainsi soit-il. Notre-Dame, Mère de la Lumière, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, priez pour nous. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face, priez pour nous. Tous les saints et les saintes de Dieu, priez pour nos saints anges gardiens, veillez sur nous et continuez notre prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Félicitations, bravo pour cette belle prière que nous avons pu vivre ensemble. Que de grâce obtenue. Nous allons le voir dans les jours qui viennent. Et peut-être beaucoup, on ne le verra pas, mais on le verra au ciel. Pour ceux qui viennent pour la première fois, bienvenue. Sachez que nous nous retrouvons chaque soir à 19h30. Donc, je vous donne rendez-vous. Je te donne rendez-vous demain à 19h30 pour un chapelet. Vous connaissez cette prière « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour » mais vous ne connaissiez pas « Donne-nous aujourd'hui notre chapelet de ce jour ». Eh bien, chaque jour, on vous donne rendez-vous à 19h30 pour ce chapelet quotidien. Donc, venez, venez. Plus on sera nombreux à prier, plus cette armée mariale pour la gloire du Christ avancera et plus les ténèbres reculeront, nous en avons l'assurance. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, et de mettre la petite cloche avec toutes les notifications. Peut-être vous ne l'avez pas mis et vous ratez quelques vidéos, parce qu'il n'y a pas que des chapelets, il y a plein de belles vidéos d'enseignements, de prières, autres. Donc n'hésitez pas et surtout, likez la vidéo pour qu'elle puisse être partagée par YouTube. Si vous êtes 4000 à liker maintenant, parce que vous êtes plus de 4000, plus de 4500, et bien si vous likez tous en ce moment, vous appuyez sur le petit pouce, et bien YouTube va se dire, mais elle doit être bien cette vidéo. Et qu'est-ce qu'il va faire YouTube? Eh bien, il va le diffuser sur ses réseaux. Donc, d'autres vont prier. C'est ça aussi, évangéliser. Amen. Grand rendez-vous. N'oubliez pas le rosaire du mois de mai. Premier mardi du mois, c'est un 4 mai. Oui, je confirme. Donc, n'hésitez pas à le mettre dans votre petit agenda, rosaire du mois de mai, le mois de Marie. Alors, on peut s'attendre à beaucoup de grâce. Donc, n'hésitez pas à le noter dans un coin de votre tête. Que vous dire sinon? Eh bien, à demain. Ah, pardon. Chers amis, vous savez, au tout début du rosaire, vous avez pu entendre un beau témoignage de Georges Marie. Eh bien, n'hésitez pas, vous aussi, à nous envoyer votre témoignage des grâces que vous aurez pu recevoir à travers ce rosaire. On a eu des beaux témoignages suite au rosaire de Saint-Joseph, hein, des ouvertures sur le monde professionnel, voire même un travail de trouver peu de temps après le rosaire. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer sur contact@ndml.fr. Merci beaucoup. Et dans le descriptif, vous avez le mail où vous pouvez nous envoyer votre témoignage pour rendre gloire à Dieu. Oui, dans le descriptif de la vidéo, vous avez plein de choses. Donc n'hésitez pas, vous cliquez, c'est l'espèce de petite flèche vers le bas, ça déroule le descriptif de la vidéo YouTube. Et là, vous avez plein de liens, plein de belles choses, donc vous allez pouvoir vous réjouir de plein de choses. Également, rejoignez notre réseau social Telegram NDML Family. Voilà, vous voulez savoir un peu plus qui nous sommes, ce que nous faisons? Eh bien, on a mis en place ce réseau social. Vous êtes déjà plus de 600 sur ce groupe nouveau qu'on a établi. Mais venez, vous avez le lien dans le descriptif. On vous partage des vidéos inédites. Et vous avez aussi les annonces des prochains événements beaucoup plus facilement que sur YouTube. On vous donne les liens. On vous donne plein de petites choses croustillantes, les tracts, les flyers. Vous avez accès à toutes ces choses-là. Donc, vous allez dans le descriptif de cette vidéo, vous avez le lien Telegram, vous cliquez, voilà, il faut télécharger bien sûr l'application, c'est gratuit, et vous nous rejoignez, voilà, comme ça on sera encore plus nombreux à avancer tous ensemble. Voilà, à demain 19h30, ne ratez pas heure française, ce rendez-vous de chapelet, et belle soirée. Soyez dans la paix. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité.